Bonjour, aujourd'hui on va cuisiner un plat bien connu de tous, un pavé de saumon, très simple à réaliser. On va lui donner une petite touche d'originalité en le cuisinant avec du miel et du sésame. Comptez environ un pavé de saumon par personne. Dans un plat creux, je commence par mélanger une cuillerée à café de jus de citron, un filet d'huile d'olive et enfin 3 cuillerées à café de miel. Je laisse ensuite mariner mes deux pavés dans ce mélange pendant 1 heure en les retournant toutes les 10 minutes. Une fois le temps écoulé, j'égoutte mes pavés de saumon et je les saupoudre avec des graines de sésame. Dans une sauteuse, je fais fondre une noix de beurre et 2 cuillères à café d'huile d'olive avant d'y ajouter mes pavés. Je débute la cuisson côté sésame 3 à 4 minutes et je fais de même côté chair. En fin de cuisson, j'ajoute le reste de la marinade dans la sauteuse. Le miel va ainsi réduire et former une sorte de caramel avec lequel j'arrose le poisson. Le poisson doit être bien caramélisé et les graines de sésame légèrement grillées. J'égoutte ensuite brièvement mes pavés et je les dispose dans une belle assiette. Vous pouvez le servir accompagné de riz, de pommes de terre, d'haricots verts ou encore d'épinards. N'oubliez pas que la plupart de ces ingrédients se trouvent dans votre magasin Leclerc avec la marque Repère. Bon appétit, à bientôt pour de nouvelles recettes.